Bonjour à tous, ici Tufus, et hop là, c'est parti pour continuer l'attaque du camp de Scrotus dans cette nouvelle session de Mad Max. Donc, je me suis un peu renseigné en fait, en off, pour le coup, en fait Scrotus, j'avais dit un petit peu de la merde et tout, enfin, j'ai supposé un peu de la merde, comment dire. Scrotus en fait... Non, tu te tais, bon t'es, voilà, on voit son visage, c'est tout. C'est un des fils d'Immortan Joe, mais il apparaît pas dans le film, en tout cas, je m'en souviens pas du tout quoi. En gros, Immortan Joe a 4 fils, donc il y a le gros bourrin du film, dont je m'en souviens plus le nom, il y a le petit tout moche du film, dont je m'en souviens plus le nom non plus, qui reste tout le temps dans leur forteresse, il y a le bébé mort-né, et il y a lui. Et lui, pour le coup, bah, je pense pas qu'il apparaît dans le film, donc pour le coup, bah, voilà. C'est pour ça que j'ai dit un peu de la merde. Voilà, voilà, mais ça reste quand même un fils d'Immortan Joe. Au passage, une nouvelle bio, c'est les aboyeurs. Vous savez, le gros truc qui était attaché, qu'on a démonté avec le fusil. Scrotus est sur nous. Scrotus sourit au mutilateur. Oh, putain, quoi. L'ambiance de ce jeu. Tac. Et puis, c'est tout. Donc là, pour les bios, c'est terminé. Maintenant, les reliques historiques. Ok, d'accord, c'est juste ce qu'on a vu la dernière fois, quoi. D'accord. Bon, bah, du coup, on continue. Et au passage, je sais comment on va sortir du camp, en fait. C'est parce qu'il y a une grosse corde ici. Donc, du coup, on va limite sortir en tyrolienne. En tout cas, je m'y attends. Tac, faut que je m'habitue. Ouvre-toi, saloperie! Je m'habitue au contrôle du jeu, par contre. Ah oui, au passage, j'ai gâché une petite balle dans le vide. Alors, toi. Tiens! Il y a un couteau, il esquive. Genre, les ennemis, ils esquivent maintenant. Aïe, 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 aïe. Dis donc. Putain, mais le pire, c'est qu'il esquive, il fait mal, ce con. Oh, t'as fait, je suis monsieur. En plus il est chinois. Regardez, il est tout jaune. Bon, en tout cas je prends son arme, ça c'est chouette. Le surin est une arme mortelle avec laquelle Max peut tuer rapidement un ennemi étourdi. Ouais, pour le coup Oula. Bon ok, tant pis, on va prendre ça vite fait. Et on se casse. Non, prends la ferraille. Max, prends la ferraille. Voilà. Par où je dois passer? Oh, c'est quoi ce merdier? Attends, par où je dois monter par là? Ah, apparemment. Non, même pas, non. Ah putain, il y a une échelle. Oh putain. C'est encore pire que la pluie dans Minecraft, quoi. Ah, le bruit, ça... ouais, d'accord. C'est de la merde, j'en veux pas. Tac 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 tac. On fouille un petit peu partout. Un peu de ferraille, ça fait plaisir. 23 pièces de ferraille, c'est tout? Putain, mais il y a plein de casseroles et tout, c'est quoi cette connerie? Ah bah il y a un peu d'eau, donc du coup on va boire un petit peu. Allez, cul sec ma gueule. On va recharger tout ça. Allez. Oh, ça va, ils ont masse d'eau, ça suffit. Ça suffit largement. Par contre, il y avait un truc. Ah non, ça c'est la pompe. Donc du coup, on continue. Oula. Qu'est pas ça, de la casa? Ok, donc ça c'est une niche, d'accord. Bordel. Bordel de fuck, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Ah, un peu de tranquillité. Là, par où je monte par contre? Enfin, je sais par où je peux monter, mais est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Pas de conneries à ramasser. Ah! Les munitions! Ah, ça c'est chouette! Parce que du coup, j'ai gâché une cartouche de fusil dans le vide, donc du coup. Ça fait un petit peu plaisir. Arrête de souffler! Tu fais du bruit, c'est chiant! Voilà. Dans le doute. Ok, une petite roulade parce que c'est stylé. Ok, on voit que dalle, c'est chouette. Est-ce qu'il y a un mode d'infiltration? T'as encore lui? Qui ça? Ok. Est-ce qu'il y a un mode d'infiltration dans le jeu? Genre, on peut approcher discrètement et hop là, faire un coup ninja par derrière pour le tuer. Enfin, si on rencontre des ennemis comme ça.
parce que pour l'instant, les seuls ennemis qu'on a rencontrés, c'était du bourrin pur et dur. Oh putain, c'est quoi ce labyrinthe? Donc là, non, ouais, si je continue par là, c'est pour la pompe. Donc du coup, on va continuer un peu à explorer le petit endroit. D'accord, il y a un symbole de Scrotus. Prendre des... Oh, des munitions! Ça fait toujours plaisir. Tac. Qu'est-ce que ça coûte? Ah, ok, d'accord, c'est de la ferraille. Et on voit que dalle. Comment on vise déjà? Non, ça c'est pour... ça, c'était pour bouger. Ouais, stylé. Et puis c'est tout. Bon, bah, du coup, on repart d'ici. Tac, allez. La 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 la. L'assaut du camp le plus lent du monde. Genre le mec qui fait toutes ses courses et tout. Quasimodo. Ah, il faut que je rapporte un jouet pour Quasimodo. Sinon, il va pas être content. What do you want? Time is ah, c'est toi. C'est Lydan. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Une petite question. Pourquoi tu te bats avec un lit sur la tête? Regardez le mec, il a un lit sur la tête, c'est stylé. Genre il a envie de dormir, hop là, il se retourne et hop. Un escargot quoi. Ouais, donc quand je dis c'est Lydan, c'est le mec qui nous a dit tu n'es pas prêt. Ah, la lumière. Attends, sérieusement? Oula. What the f... Max accumule de la fureur lorsqu'il est engagé dans des combats au sol. Lorsqu'il accumule suffisamment de fureur, son mode fureur et toutes ses attaques sont puissantes. Max reste en mode fureur pendant un temps limité ou jusqu'à ce qu'il ait vaincu tous ses ennemis. Bon bah... Hey, mais je t'avais barré. Putain, mais la... Oh, la puissance. Aïe. Ah, j'aurais... Il m'a eu le temps de me frapper avant que je... Ah, punition sur un. Ouh, la violence. T'en dégages, toi. J'ai envie d'attraper ton pote. T'en es où? Attends, c'était quoi punition sur un? Bon, topi. Je l'aurais cassé la gueule. Allez hop, c'est parti. Il n'y a plus de raison de revenir ici. Ouais, c'est pas faux, mais... Si je pique toute la ferraille, c'est encore mieux. Pas de symbole de Scrotus à l'horizon, nope. Et je m'en souviens... J'ai pas regardé combien il restait de trucs à piquer. Oh, monte. Oh là là. Oh, le foirage. Avec toujours le saut de la mort, drawing. Un bout de carrément, un jerrycan suffira. Ah, c'est pour faire péter. Non mais... Voilà, dis donc, c'est pas une porte qui va me bloquer. Donc attends, toi... Non, parce que je sens que si je fais tout péter, y a tout qui pète. Voilà. Enfin, si je fais tout péter, j'ai trop obligé de courir. Donc on va juste te lâcher ici. Je vais aller chercher... Ah, est-ce que c'est un symbole de Scrotus, ça? Ouais, on va tout casser, on va tout casser. Tac. Ah, c'est pas ta zone, bâtard! Un truc secondaire qui est fait. Bientôt fini avec la ferraille aussi. Ferraille 7. Oh, il manque encore 3. Enfin, plus que 2. Donc du coup, je vois pas du tout où est-ce que je pourrais chercher le dernier truc de ferraille. Enfin, les deux derniers pour le coup. Bon, on fait tout péter, je crois. Rien par ici, rien... Ah, quoique. Ça, c'est un truc qui descend, ça, non? Non. Fausse alerte. Je n'ai rien dit. On fait tout péter. Ah, attends, il y a des trucs derrière. Oui, l'homme qui exporte tout et tout... Ah, de la ferraille. L'homme qui exporte tout et n'importe quoi. Il manque plus qu'un truc de ferraille. Et fuck this shit. Tant pis. Y allez, on monte. Oh oui. Avec la puissance du saut du n'importe quoi. Attention! Explosion! Merde, faut que je le casse! Non, c'est bon. Les lames, détruisez les pompes à pétrole. Démantelez! Tout, 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 tout. Eh ouais, il manque plus qu'un truc de ferraille et j'avais eu le 100%. J'aurais eu le 100%. Fais chier! Prendre le butin? Ça c'est quoi ça? C'est avant de... Oula.
Le chiffre a disparu. Niveau sup, écrasant niveau 3, et j'ai eu 3... Eh, c'est pas des... Dans légende. Ouais, des jetons de griffeur. Niveau 4, écraseur. Je pense qu'on va savoir comment utiliser ça plus tard. Pour l'instant... Il n'est pas juste un truc de ferraille qui se balade et tout. Bon, on se casse d'ici, hein. Je repasse ça sur mon derrière. Oui, je compte faire des trucs en off, je pense, hein, pendant, dans ce jeu. Et hop là! Non, ça le fait pas automatiquement. C'est pas comme Tomb Raider. Enfin, je crois qu'en Tomb Raider, ça faisait automatiquement. J'ai déjà oublié, quoi. Geronimo! Wiz! Tac. Nos ferrailles ici. Oh, y a pas de ferraille. Alors bon, bah, tant pis. Hein. Salut! There's something they're doing before we turn back. Ah. But we've got all we need. Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. Oh. I see. You have your secret reasons. The fuck? I'll follow you because I think fate favors old chum. And you need both of us. Putain, mais t'es vraiment mal formé, mon pauvre gars. Bon, tant pis, on va faire avec. T'es quand même sympa. Attends, mais je crois. Il avait pas dit qu'il restait un truc à faire ici. Rencontrer le mystérieux. Ah, d'accord. On va rencontrer Lydan. On va savoir qui c'est. Pistolet de détresse. Tac. Non, bon, c'était pas ça. Voilà. Tac. Ah, c'était pour être lui qu'on pourra dépenser nos jetons de Frima. Le pistolet de détresse. Avec le pistolet de détresse, on peut alerter. Voilà. Et le surin. D'accord. Et la voiture n'a pas encore perdu le moindre PV. Je suis devenu un as de la conduite. Merde. Easy. On va déposer ce one noir de Sean Bucket et sa quête divine. On laisse tomber les missions sacrées. C'est pas une croisade. Là, j'ai besoin de mes propres réponses. Oui, regardez, c'est le même symbole que les jetons de Frima. De Grima, de trucs dans le genre. Trop de lumière. Ah putain, la luminosité. Heureusement que je joue pas dans le noir, hein, sinon je serais aveugle. Ah, ça brille. Ça brille. Putain, je suis con, on peut courir, c'est vrai, j'ai oublié ça. There you are. Shifter of sands. Letter of blood. Remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape. Pourquoi t'as un lit sur la tête? Until one day, explique tout. The plains of silence end, and you begin. You've a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made. Elles sont stylées tes lunettes quand même. You know nothing of me. Look behind you, at June after June of drifting, half forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Donc, grâce à ce bonhomme, on pourra augmenter les capacités de notre ami Max. Donc, alors, longévité, Max dispose de plus de points de vie, hein, ouais, logique. On repousse de santé, on utilise un jeton pour faire gagner le niveau de légende à Max. Ça a quoi, ça? Un niveau de légende? Quintessence, plus d'eau, plus de ferraille, moins de carburant, affiche plus de dégâts avec une arme. Ouh, intéressant. Ah, ça peut être intéressant, et Max n'occupe pas plus du butin, une mission dans les butins. Et toi, intuition, moi, je peux utiliser plus longtemps une arme de corps à corps. Bon, ça. Déjà.
Ensuite, toi, jugement, ça peut être. Je sais pas ce que ça fait pour l'instant, donc du coup on va l'augmenter, on sait jamais, ça peut être sympa. Et longévité, tiens. Ouais, on confirme. Ah, oh, le salaud, il a disparu. Ouais, donc au passage, j'ai été dérangé bah, par ma famille pendant que je pendant la cinématique, donc du coup, vous étonnez pas si je n'ai pas parlé pendant un certain temps. Griffa m'a expédié à améliorer les capacités en échange de jetons de Griffa pour gagner des jetons en terminant des défis. Ok! Donc les défis. Non, c'est pas ça. Les défis, ils se trouvent. D'accord, c'est ici. Donc apparemment, j'ai gagné, j'ai remporté des défis. Terminer 3. Éradicateur, terminer l'objectif principal du camp, réaliser un combo de 15 combos ou plus, remplir la jauge de fureur en 60 secondes maximum. D'accord. Ok, bah donc du coup, en faisant ça, on peut augmenter notre ami Max. Ah oui, et donc, au passage, encore un BIOS qui se débloque, et notre ami Griffa avec son lit sur la tête. Voilà. Et on reprend. La 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 la. Et au passage, oui, j'ai oublié de mettre le chrono pour cet épisode, donc du coup. Hein, des guetteurs ou ça? Donc, il a vu des guetteurs, notre ami. Ah, donc du coup, on va devoir utiliser notre pistolet. Oui, je suis con, je peux courir. On devra utiliser notre pistolet pour appeler notre ami. Signal de détresse? Non, attends. C'est ça, voilà. Chum! T'es où? Chum! Ah. Mieux qu'une Batmobile. Des méchants rôdés espionnés. C'est parti! Ok, donc du coup, là c'est un camp qui est quasiment fait. Ouais. Oui, la nitro! Oui, oh, il y a tout ce qu'il faut pour installer la nitro. Oh non, 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 non. Il y a tout ce qu'il faut pour installer la nitro. Donc, du coup, faut retourner au garage. Oui, donc, attends, si je fais ça. Et il tente de donner un coup de nitro à la menace de je te dis que t'as gagné nitro, installé double nitro. Donc, je prends ça. La menace étant réduite, enfin, oui, c'est un truc dégueulasse en anglais. Peut maintenant installer le double nitro avec la ferraille récupérée. Donc, oui, on va installer ça. Ouais. Insertion réussie, d'accord. Et donc du coup il va l'installer comme ça ou... Ou je sais pas, non, peut-être... Peut-être revenir au garage, non, pour qu'il fasse ça. Enfin, je connais l'endroit idéal. D'accord. Et du coup c'est où? Ah, c'est par là. C'est bon. J'étais sur le chemin parce que du coup, ouais, il dit qu'il y a un endroit génial, mais pour le coup... La nitro! Par contre, tu peux réparer la voiture s'il te plaît. C'est quand pour réparer déjà? Ah, c'est ça. Oui, parce que vous avez vu les PV de la voiture. La voiture a pris cher. Non mais, continue. T'arrêtes pas, c'est bon chemin, mon jeune puceau, oui, pourquoi pas. Donc du coup, c'est A pour utiliser un nitro. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est le meilleur bouton pour faire ça. Oui, donc j'ai pas encore regardé si je pouvais configurer les boutons comme je voulais. Hein. Disons que j'étais occupé à faire d'autres choses. Allez, c'est parti, Simone! Ok. Coucou! Ah, par contre. Ah, attendez, il y a des. Aïe! Salaud! Il est où, il est où, il est où, il est où? Ah putain, retard! Coucou! Allez! Merde, putain. Combat en voiture, quoi. Genre. Tiens! Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Tiens! Attends, c'est moi qui ai pris les dégâts, c'est lui là. Non, 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 non. Dégage! Oula, non! Oula, je fais de la merde. C'est un truc puissant. Bon. Choc latéral. Allez hop, attends, on s'éloigne un petit peu. Allez, dégage, dégage, dégage. Tiens! Oh putain, j'ai pris ultra cher. Allez hop. En voiture, Francine!
Mission d'histoire terminée, l'œuvre du juste. Le travail sur le manuscrit avance bien, mais il lui manque un cœur. Il lui faut un V8. Coucou. Ah bah t'es cassé. La meilleure amélioration de Max est maintenant débloquée et disponible depuis une pause. Il permet d'améliorer l'équipement et l'apparence de Max et d'acquérir de nouveaux outils, de nouvelles compétences pour combat au sol. Ouh, intéressant. De nouvelles améliorations seront débloquées en fonction du... Ah, rang de légende. D'accord. C'est ça en fait qui change le... C'est le rang de légende qui va améliorer nos trucs. Brise ma... brise mâchoire. Ah, brise mâchoire, oui. Abattage au sol. Du pur bourranisme. Excusez-moi, c'était le petit rototo des familles. Alors, notre petit Max, les compétences sont débloquées dans le rang de légende de Max, augmente et peuvent ensuite être achetées avec de la ferraille. Cool. Blouson. Nouveau. Pas de blouson. Ah ouais. Oh oui. La puissance, le muscle. Non mais c'est bon, on va mettre ça. Non mais où. Ah, dégâts des attaques de points et de l'arme de réduit de corps dans 10%. Sérieusement, ça protège ce truc là. Ça y a rien. Nouveau compétences. C'est ici que Max peut gagner de nouvelles compétences puissantes qui le serviront dans les combats au sol. Alors, finition enchaînée. Continuez, concluez vos attaques enchaînées par une puissante finition. Parade des armes d'un corps à corps permet de parer les attaques à l'arme de corps à corps même sans arme. Bah oui, on va prendre ça. Et du coup, on va prendre on va prendre ça aussi. Attends, je peux en avoir qu'un seul? Non, c'est bon, je peux avoir les deux en même temps. Outils. Baramine, utilise la baramine pour forcer les portes et les conteneurs fermés. Ça peut nous être utile. Par contre, ah oui, 142, il me reste encore 142 trucs. Fusil, y a rien d'amélioré. Et la tête. Atteignez le rang de légende de sable. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on débloque là-dessus en faisant plus de trucs, je pense. Poignée, y a rien. Et point américain, y a pas. D'accord. À Baramine. Ouais, donc ça en est plus. Tac. Ok. Du coup. Harpon. Attends, le harpon, on l'a pas vu. Ah non, les pinces. Attends, c'est quoi ça? Utile pour désamorcer les mines et récupérer les cartouches de fusil qui sont à l'intérieur. Ok. Et les guetteurs. Ah, attends. Warboy et. Attends, Warboy, oui. Donc ça, c'est les mecs qu'on a tabassés. Ok, donc c'est la version améliorée des Warpus, donc. Surineur, c'est des mecs avec des couteaux. Et les guetteurs. On est devant, on voit tout, on prend le meilleur et on laisse les débris aux autres. Et donc c'est parti. Tac, on rentre dans la voiture. Par contre, vas-y, prends tout ton temps pour réparer. Hein. Je te dirai rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Ah, attendez. Je n'avais point vu ceci. J'ai fait une connerie, Non, c'est bon. La voiture est pas tombée. Ah, j'ai senti quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Décharge. Bon, allez, un petit tour dans une décharge. On va prendre celle-là. Non, on va prendre celle-là, vu qu'elle est loin de tout. Et ta. On rentre dedans. T'as fini de réparer? Ouais, c'est bien. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un raccourci à travers la plaine? Ouais non, je sens pas comme raccourci, donc du coup on va bien faire tout le tour. On sait jamais. Donc oui, je vais faire ça pour la fin de l'épisode. Pour le coup, je n'ai pas trop chronométré, enfin les premières minutes, donc du coup je pense que vers 15 minutes et tout, ça va peut-être s'arrêter. Enfin, j'ai filmé 15 minutes sans chronométrer, enfin je pense. Et donc je suis ta-ta-la-ta-ta. Ok, donc c'est par ici, j'ai fait totalement de la merde en fait. Moi qui pensais prendre un raccourci. La boulette. Tifis le non-attentif. Tifis le crédule. Et donc du coup... Non mais... La touche de Nitro, c'est pas la même que dans Batman, faut que je m'en souvienne. Dans Batman, c'est Y. Là, Y, ça sert à sortir du véhicule. Allez, maintenant c'est A, voilà. Voilà, c'est bien A, c'est bien Tifix. Tu n'as pas fait de la merde cette fois-ci. Décollage. Oui.
Non, c'est bon. Je pensais que j'allais faire de la merde. En ça, avec la nitro, ça a l'air d'aller plus vite un peu. Oh putain, par contre, c'est blanc, mais. Oula, oula, là, là, là. Allez. Ok, donc ce sol-là, c'est bof pour conduire. C'est noté. Oui, on fera raccourci. C'est une décharge, ça? Apparemment. Hi. Easy. Donc. Planque-toi ici, d'accord. Mince, je peux passer par ici. Par ici non plus. Qu'est-ce que je peux faire là? Par où je peux passer? Messieurs? Y'a quelqu'un? Messieurs! Apparemment y'a personne. Putain, mais non, la décharge est plus bas, je suis trop tellement con. Ça glisse! Et je me suis cassé la jambe quoi. C'est super! Hop là! Non, putain, j'étais presque. Attention! Wiz! Non mais. Francis, qu'as-tu fait? Hop là! Non mais là, j'ai fait de la merde. Attention! Easy. Quatrième, cinquième tentative, easy. Du coup. Je pense que j'aurais pu monter par là comme un con. Non, ça c'est le. Ça, le point vert qu'on voit là-bas, c'est pour l'objectif principal. Par contre. Ah, par ici sûrement. Oui, ici, ici. Ok, juste pour ça. Juste pour 2-3 pièces de ferraille. Petit fils, tu es un génie. Du coup, on aura totalement la flemme de continuer à pied, je pense. Attends, est-ce qu'il y a un passage par ici? En passant par ici, ça peut-être le faire. Francis? Enfin non, Quasimodo? Non. Ah, là je peux pas apparemment. Attends, si on continue sur ce chemin là. Est-ce que Quasimodo pourra nous rejoindre? Je ne peux pas l'appeler maintenant. Ah, là je peux. Je vais le rejoindre. Et il vient pas. La feignasse! Le salaud. Bon bah du coup on se tape un petit truc à pied, c'est génial. Pour votre plus grand bonheur les enfants. Eh oui. En tout cas bonne ambiance ici, hein. Il y a des mecs qui bronzent au soleil, c'est génial. Wiz, easy, ça passe, nickel. Dans ta face. I need the wheels. Ah, est-ce qu'il va l'amener? Mais genre... Je suis en plein sur la route. Tu te fous de ma gueule? Putain, la feignasse, quoi. Bon, si c'est sur ce fail que l'épisode va sûrement se terminer, je pense que je récupère la voiture. On rentre au garage. Et, easy peasy, on passe à l'épisode suivant. Ah, la voiture! Fifine, j'arrive! Yep, doing, doing. Le saut. Ce saut de la mort. Genre c'est le plus grand athlète du monde quoi. Allez, on y va. On y va, on décolle. Et c'est parti. J'ai pas l'impression de faire une grande différence avec la nitro en fait. Ok, là j'ai vu la différence. Oui. Les camps alliés ont ajouté 20 pièces. J'ai des camps alliés moi. D'accord, je gagne de ferraille. Sans le vouloir, enfin si en le voulant quand même, mais sans savoir comment, c'est génial. Ta 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 ta. Yeah. J'adore. Ça c'est un vrai boost de nitro ça. Merde, j'aurais pu voler, oh fait chier. Attention. Là je cadre, je cadre. Et c'est cadré. C'est du joli. La grande classe, c'est du typhus tout craché. Yo. Merde, bon. C'est ici qu'est le mec. Je suis con. Il est où le chien? Il y a pas le chien. Bon. Commence la mission maintenant ou. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Donc bah sur ce, je vais terminer l'épisode maintenant.
Désolé s'il a pas duré aussi longtemps que les autres, c'est parce que bah pour le coup je l'ai pas chronométré dès le début. Donc bah voilà, ça c'est une petite erreur de ma part. Donc bah prochain épisode on va commencer la mission de notre ami Chum Bucket, je sais pas comment ça se prononce. Et sinon sur ce, avec la voix de notre héros un peu chelou, à plus, tout ça.